dans le choix de mon métier d'opticien, c'est que, en fait, il y a quelques années, il y a même très longtemps, il y a 20 ans, on nous poussait à faire beaucoup de basse vision et c'est vrai que je m'y suis intéressé. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que les gens étaient très demandeurs. De la basse vision, j'ai un petit peu évolué vers la réfraction, n'étant pas en phase avec gérer les déviations vers un système de plus en plus franchisé où on nous imposait beaucoup de choses, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau par exemple de l'informatique, même de la déco du magasin. J'avais envie de retrouver mon vrai métier, c'est-à-dire conseiller les clients, les aider à bien voir tout simplement, et également me permettre d'acheter un petit peu ce que je voulais au niveau des collections, et enfin avoir accès notamment au village, au Silmo. Et je me suis rendu compte que les gens adoraient qu'on leur parle d'eux et qu'on leur parle de leur vision, qu'on explique pourquoi ils voyaient comme ça, pourquoi leur ophtalmo leur avait dit certaines choses. Et me rendant compte que la partie marketing était à la limite devenait secondaire, là j'ai commencé à penser à devenir indépendant, ce que j'ai fait. Et naturellement, on est passé de la partie technique à la partie un petit peu plus, je dirais, mode, tendance, où là, on a aussi commencé à s'intéresser aux collections. On s'est rendu compte, bien entendu, de la même façon que les gens voulaient qu'on s'intéresse à leurs yeux, à leur vue, mais ils avaient envie qu'on s'intéresse aussi à leur esthétique et à leur confort visuel. Ce qui est vraiment assez, pour moi, insupportable, c'est le fait qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'un verre progressif est le même que vous alliez chez Pierre, Paul ou Jacques. Et on a quand même un gros travail au niveau de notre profession à faire. C'est d'abord à donner envie aux gens d'acheter un produit qui est quand même assez high-tech. Vous allez acheter un appareil photo, on va être sensible à l'objectif, on va être sensible à des tas de paramètres. Un verre de lunettes, on en parle comme si c'était une chose banale, et idem pour la monture. J'y vais depuis très longtemps puisque mon père était opticien et je me souviens y être allé alors que je devais faire 1m20, quoi. J'étais tout gamin en culotte courte. Et depuis que je suis opticien, donc c'est quand même fin des années 80, je crois que je n'ai loupé aucun Silmo, peut-être un ou deux, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Bon, au départ, on y allait une journée et puis maintenant j'y vais les 4 jours. Parce que c'est quand même un lieu extraordinaire où on a la chance de pouvoir tout rencontrer pratiquement tout le monde, voir surtout et ressentir les tendances, les choses qui vont arriver. Les premiers jours, on scinde un petit peu en deux. Moi, je vais m'occuper plus de la partie technique, c'est-à-dire voir les fournisseurs de machines, le matériel d'optométrie ou également surtout les verriers. Ma femme, elle, va plus s'occuper des achats montures pures où elle va aller ressentir les tendances, voir les nouveautés. La raison pour laquelle on y va, c'est qu'aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, les gens sont quand même hyper informés, donc on est obligé d'être au courant de ce qui se fait. Un des principaux intérêts du salon, c'est de ressentir, de voir toutes les nouveautés, toutes les tendances à venir. Et surtout, pouvoir aussi en parler tout simplement à nos clients qui ont souvent vu un reportage à la télévision, qui ont vu des choses. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'on est bien entendu au courant et qu'on a vu encore d'autres choses, on a plein de choses à raconter sur les montures, c'est souvent quand même une preuve de professionnalisme. Le Silmo, on l'organise bien avant puisqu'on fait notre petite revue de presse et on va repérer les collections à ne pas louper. Donc on va télécharger, on va imprimer le plan sur lequel on va noter les stands à ne pas louper. Il manque un seul Silmo d'or, c'est le Silmo d'or pour le plus beau stand ou la plus grande créativité ou la plus grande originalité. Certains très gros fournisseurs soient absents, ça nous permet de passer plus de temps avec des petits créateurs ou des fabricants français que l'on ne voyait pas autrefois lorsqu'on passait la journée dans une grande marque et puis l'après-midi chez un autre grand fournisseur. Donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est plutôt un plus. La seule chose, c'est que je trouve qu'il y a encore trop de stands fermés, donc des stands pour lesquels il faut monter pâte blanche pour avoir accès aux collections, des stands sur lesquels les collections sont encore dans les tiroirs, dans les marmottes, ça je trouve ça quand même assez dommage. Les Silmo d'or occasionnent toujours une certaine curiosité parce que ça va mettre en avant une marque et donc on va aller voir sur le stand à quoi ressemble la monture qui aura été récompensée ou la machine. Alors ça ne va pas obligatoirement occasionner de notre part un achat, mais il est certain que si cette marque n'avait pas eu le Silmo d'or, on ne serait peut-être pas allé les voir. L'an dernier, nous avions participé à l'atelier merchandising. Alors j'avais été un peu entraîné par mon épouse puisque je ne voyais pas trop l'intérêt. Moi j'étais venu surtout voir des lunettes et des machines, des unités de réfraction. Et en fait, cet atelier a été très très bénéfique puisqu'on a été conseillé par une jeune fille. Nous étions venus avec des photos du magasin et qui a mis en évidence en fait les avantages, également les défauts pour nous aider dans la future réalisation de notre prochain magasin.